Ce n'est pas une rétrospective, c'est plutôt une prise particulière sur un aspect de mon travail qui s'occupe de la tension, de la dynamique et les relations entre la question d'être un être humain, un individu, et les conditions sociales autour de chacun de nous. Si on regarde les civilisations plus longtemps, c'est toujours la vie sociale, la vie commune, qui définit les civilisations. Ce n'est pas seulement un être humain seul, c'est toujours les civilisations plus collectives, plus communes, qui définissent la culture.